Humanim Onyx. Hein? Humanim Onyx. Il faut réussir à le dire. Humanim Onyx. Répétez voir. Humanim Onyx. Humanim Onyx. Humain, animaux et Onyx. Son nom de scène, là, ici. Et c'est le nom de scène de votre fils qui est décédé. Oui. Bonjour, alors bonsoir, bonjour, comme vous voulez, en fonction de la vision de cette vidéo. Je suis dans la Vendée, dans un magnifique endroit, mais on ne va pas détailler, mais ce n'est pas chez vous. Hein, mais c'est un magnifique endroit, on les remercie de nous accueillir. À ma droite, Delphine, à ma gauche, Pascal, de l'association absolument imprononçable. Il y a un lot à gagner, si vous le dites. C'est déjà foutu. Humanim Onyx. Voilà. Humanim Onyx. Alors, une association Humanim Onyx, parce qu'il y a humain, animaux. C'est ça. Et Onyx, parce que... Le nom de scène de notre fils. De votre fils. Voilà. Alors, le fiston, bah, il est parti un peu plus haut que là où nous sommes. Vous avez perdu votre enfant et vous voulez continuer son œuvre. Voilà, exactement. Bon, alors vite fait, sans tomber dans le dramatique, etc. Voilà, expliquez-moi non, votre... Pas le but non ouais, plus. Non, expliquez-moi, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, bah, il y a trois ans et demi, un peu plus de trois ans et demi maintenant, donc Pierre, notre fixe, oui. Donc, bah, il est décédé dans un accident de voiture. À quel âge? En Vendée, à 19 ans. Ans. Et c'est lui qui conduisait? C'est lui qui conduisait, il était tout seul et il y a beaucoup de zones d'ombre, mais on ne va pas en parler. Bon, voilà. Donc l'horreur, la tragédie, voilà. On vous prévient, c'est les gendarmes qui viennent, qui frappent, qui disent non. C'est le maire, c'est le maire qui vient. Il ne nous a pas dit tout de suite qu'il était décédé, mais on l'a su, on l'a senti. On l'a senti, directement. Bon, c'était fils unique? Oui, c'était le seul. Bon, je compatis et c'est récent, il y a ça 3 ans. 3 ans et demi, oui, donc c'est encore très très frais. Très, très frais. Bon, je suis absolument désolé pour vous parce que c'est pas dans l'ordre des choses. C'est pas logique. Et encore, quand je dis ça, c'est déjà une première bêtise, mais j'en dis beaucoup. Parce que finalement, quel est l'ordre, quel est le sens de la vie? On ne sait pas trop. Non, vous pose toujours des questions. Vous avez été donc choqué forcément en tant que parent pour le décès de votre fils et vous avez monté cette association pour la continuité de son œuvre, en tout cas de ses envies et de ses talents. Donc, je suppose qu'il est. Et il était proche des animaux, puisque ça s'appelle Humanim Onyx. Parfait. Je suppose que son pseudo, c'était Onyx. Onyx, et qu'il était chanteur. Plutôt, oui. Sinon, il va vous taper sur oui. Chanteur, parce que je le vois en photo, on le voit en photo d'ailleurs, il est là avec un micro. Un Shure d'ailleurs, pour donner la marque. Le micro des chanteurs. Exactement. Bon, et vous avez décidé de faire une continuité de votre fils ainsi en faisant une association qui est une association qui s'occupe des animaux. Entre autres. C'est voilà. Bien, il n'y a que moi qui parle. Protection animale. Oui. Protection animale mais qui pas englobe que. Tout. Mais pas que. Alors, protection animale, on peut aussi bien aider les SDF, leurs chiens et leurs chats, parce qu'ils ont aussi des chats. Donc on peut aider à payer les factures véto, admettons. Alors payer, ça peut être des frais d'hôtel. On est fermé à rien, en fait. On étudie toute proposition. C'est top, ça. Voilà. Quand ils ont besoin de vêtements, on en procure et puis on va leur conduire. Voilà. Toile de tente, duvet, ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous soutenez les SDF qui sont aux alentours de chez vous. Donc vous êtes du côté des Sables d'Olonne, Sables d'Olonne en Vendée. Ouais. On marche avec la PSH, justement. La donc PSH, c'est, voilà, c'est un centre d'accueil de jour de SDF. Mais ils nous appellent, mais dès qu'il y a un besoin. C'est bien, c'est vertueux. Bon, il n'était pas SDF, votre fils, pour autant. Mais il les aidait aussi. Il les aidait donc, aussi. Voilà, et il aidait aussi les animaux. Les animaux aussi. Donc, on fait de la protection animale. On essaye de faire en sorte que les gens les respectent. Le respect humain ou animaux, un minimum, voilà. Donc, ça peut être dans la stérilisation aussi des chats errants, parce qu'on en a marre de voir, les assauts, les refuges blindés, et puis finissent soit euthanasiés, et puis les petites annonces qu'on voit un petit peu partout, les annonces qu'on voit, les gens disent, bon, on les donne facilement, oui, mais 50% partent aux serpents. Parce que c'est des nouveaux animaux de compagnie, et donc, oui, on les a placés facilement, mais ils finissent, mangés par les serpents. Voilà, exactement. Ça fait de la nourriture vivante pour les serpents. Voilà, et gratuite. Pas les chiens, mais les chats. Les chiots aussi. Les chiots et les chatons. Oh. Ah ouais. Donc, on essaye de responsabiliser un petit peu les gens qui stérilisent leurs chats. Oui, puis on stérilise aussi. Voilà. Les SDF, non. Non, oh, non. Après, vous arrêtez aux animaux. Très bien, très bien. Les animaux, et vous ne faites pas que ça,
parce qu'il y a une ouverture spirituelle. C'est pour ça que vous êtes sur l'élévation. Voilà. Oui. Vous ramenez des médiums, il y a des conférences médiumniques dans votre association. Voilà, donc ça fait 3 ans maintenant que l'asso est créée. Qu'on l'a créée très très rapidement après le décès de Pierre. C'était ça 3 ans en février. Donc on fait venir des médiums. En février 2020, donc 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Elle a fait venir des médiums. Mais vous connaissiez déjà cette théorie de l'au-delà, ce petit monde médiumnique. Ouais. On y croyait déjà. Déjà. Un petit peu moins. Voilà. D'accord. Et Pierre aussi croyait. J'évite, parce qu'il va y avoir deux parties. On découvre Delphine et Pascal et l'association Humanime Onyx du côté des Sables d'Olonne, en Vendée. Mais après, on va essayer dans une deuxième partie de voir ce que vous avez de pratique, de réalisable, parce que vous aussi, vous essayez de faire des contacts avec l'au-delà. Vous avez du concret en TCI, enfin une certaine TCI. Bon, fiston, il était branché aussi, spiritualité, à 19 ans. Oui, il y croyait. Puis on a eu pas mal de phénomènes paranormaux dans la maison où on était avant. D'ailleurs, il y a eu 2-3 trucs avec lui à 12 ans. Il vient nous voir, puis il dit, un peu apeuré quand même, il dit, je viens de voir un monsieur derrière la porte. Donc il voyait quand même les choses. Donc il a vu un petit bonhomme avec une casquette, il a vu les chaussures, le veston et tout. Donc moi j'essaie de le rassurer, je dis non, t'inquiète pas, c'est rien. Parce qu'il commence à un petit peu avoir les pépettes quand même. Donc il y a eu ça, il y a eu des phénomènes assez bizarres, mais pas méchants. C'était, on rangeait bien le sucre le soir et le matin, tout était en vadrouille. Le sucre, le carré de sucre. Ouais, carré de sucre, donc tout était mélangé. Il y avait un chat qui s'amusait avec... Non, il était bien rangé quand même, une boîte. Ah, oui. Il y a aussi un jour, donc Pascal était couché, moi j'étais sur le canapé, Pierre était à côté de moi avec son portable, et on entend courir dans les escaliers en bas. Donc on s'est dit, 15 jours avant, il y avait eu des vols, trucs comme ça. On a dit, ça y est, ils sont rentrés à la maison, ils sont en train de tout piquer. Mmh. Et donc, on a été le réveiller. Donc, on est descendu. Lui, il avait la lampe. Nous, on avait des couteaux, mais grands comme ça. On s'est dit, c'est derrière. Bonne ambiance. Par devant. On était persuadés qu'il y avait du monde. Donc, en fin de compte, on descend. Tout était fermé, mais il n'y avait personne. Donc, après, on se repasse quand même... C'était quoi cette maison? C'était un château hanté Elle était quand même bien habitée, oui. Ouais. Une ancienne ferme, et puis il y a dû se passer des trucs et des machins. Des trucs un peu bizarres. On veut pas savoir. Pascal, tu n'y croyais pas trop, disait Delphine. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais de là à discuter avec eux, du moins à moi les contacter, j'étais un petit peu sceptique, du moins. Oui, c'est-à-dire que tu pouvais constater qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient dans la maison. Oui, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans, et j'étais persuadé qu'elle était... Quelque part. Quand même, oui. Tu pensais à l'au-delà qui... Voilà, d'accord. Une personne disparue, non, c'était pas possible. C'était... Oui, on continue de vivre quelque part d'une façon ou d'une autre. Ouais. Très mal. Si, je pense que... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le coussin. Il y avait un coussin, mais c'est pour ça. Je vais le mettre là, tiens. Voilà. Il y a Pépé et un Eric qui va continuer l'interview. J'ai un petit coussin. Oui, me voilà bien. Alors, naturellement, après cette tragédie, vous avez voulu avoir des nouvelles de votre fils. Voilà, très rapidement, en fait, on est tombé par hasard, parce que le hasard, on n'y croit plus du tout. Hop là, on est tombé. On n'a rien vu, non, on ne peut rien dire. Voilà. Et donc, 2-3 mois après, un mois après. Ouais. Donc, il m'avait fait un petit cadeau, et puis le cadeau n'allait pas, donc on va pour le changer, puis on se dit à la place, on va aller voir les bouquins. Donc, on va voir les bouquins, on tombe sur le bouquin d'Alain-Joseph Bellé. Et il habitait où j'ai vécu avant. Donc, je me suis dit, c'est ce bouquin-là. Ah, vous étiez en Bretagne? À Pont-l'Abbé. Oui, j'habitais à Pont-l'Abbé. Ah, donc, je me suis dit, on va prendre ce bouquin. Et ça a été le début d'une très longue histoire avec Alain-Joseph, parce qu'il parle de Pierre dans son dernier bouquin. Il l'a chopé aussi au vol, on va dire. Et il y a eu des... Donc, on a pris rendez-vous après avec lui. Le rendez-vous a été avancé d'un an. Enfin, bon, Pierre a été le chercher très loin. Et on a été à une première conférence à Beauvoir, donc pas très loin de chez nous. Il ne nous a pas vraiment passé de message, mais c'est à la fin, on l'a un peu piégé, on va dire. On a mis la photo de Pierre dans son bouquin pour le faire dédicacer. Il est ouvert, il a vu l'accident tout de suite, il nous a dit 2-3 trucs, on n'a rien compris à ce moment-là, et c'est après qu'on a trouvé. Donc il nous a dit, je vois des regrets, le mot regret. On a dit, forcément on a des regrets, mais ce n'était pas ça. C'est une chanson que Pierre avait écrite, en fait, et qu'on ne connaissait pas, d'où le nom de l'album. De l'album Onyx, le chanteur Onyx. Voilà. L'album Regret, il y a plein de titres, il y en a 21. Il a fallu choisir, c'était pas évident. Je comprends pas, à 19 ans, il avait déjà fait 21 titres. Plus de 100 chansons. Plus de 100 chansons. Ouais.
Mais vous lui avez offert un ordinateur pour, il avait déjà enregistré. Non, on l'a fait à titre posthume, en fait, après. Il commençait à avoir du bon matériel en dernier. Moi, il a pu s'en servir que très peu de temps. Donc, elle est faite à partir de MP3. Donc, on l'a envoyé en studio. Vous l'avez retravaillé, mais c'est sa voix. Oui, c'est vraiment sa voix. C'est ses compositions. Et ça, on le trouve sur l'association. Oui, sur le site de l'asso, on peut l'acheter aussi. Alors, sur les 21 chansons, on profite. C'est laquelle la plus percutante? Alors bon, la plus touchante pour moi, c'est Maman, forcément, parce qu'il avait écrit une chanson pour moi. Et autrement, Regret, elle n'est pas finie, donc elle est quand même très parlante. Voilà, très parlante. Une chanson qu'il a fait les trois dernières semaines. Plus proche de son départ dans un monde meilleur. Il l'a pas fini, du moins. Il a pas eu le temps de la finir. D'accord. Et la chanson que tu préfères, toi, c'est Regret, non? De plus, cas par cas. Elle n'y est pas, parce qu'il y en a d'autres. La musique, c'est une musique d'une reprise, donc il y a un deuxième de prévu. Et cas par cas, ça raconte quoi? Ça raconte moi, des gros signes que Pierre nous a fait. Un gros signe. Joseph, d'ailleurs, nous avait prédit. En fait, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'Alain Joseph Belay, le médium, a annoncé longtemps à l'avance que Onyx allait faire un gros signe. Il lui a vraiment demandé, il dit Pierre, il faut que tu fasses un signe à tes parents, fais partir ta musique tout seul. De toute façon, on a enregistré, parce que sinon, on est resté 2h30 avec lui, il nous avait gardé vraiment l'après-midi pour Super nous. Super sympa, hein. Le gars, quand même. Ouais, franchement, il est adorable. C'est vraiment un grand bonhomme, il est impressionnant, mais très, très gentil. Et on a laissé passer, et puis, donc ça, c'était en février 2017, et en août 2017, on était dans le jardin. Et moi, j'avais son ancien portable, son iPhone, un vieil iPhone, donc il était verrouillé. Donc, on rentre à la maison, je sens le portable qui commence à vibrer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Mais il n'y avait rien. Je dis, okay, non, pas de coup de téléphone, rien. Le portable se met en route sur la chanson, cas par cas, mais tout seul. Et tu n'as rien touché? Du tout, je l'avais en main comme ça. Tu n'avais pas prévu dans ton inconscient, puisqu'on te disait qu'il allait avoir un signe, qu'il allait de musique. On n'y pensait pas du tout, mais c'était février, mars, avril. Il s'est mis en marche tout seul. Tout seul. Donc après, quand même, on a vérifié, parce qu'on s'est dit, on va vérifier. Neuf manips. Neuf manips pour mettre en marche le... Et je ne savais pas qu'il était sur le portable. C'est cool. C'était la chanson... Cas par cas. Cas par cas. Alors, qui raconte quoi? Sa façon de penser, en fait. Vraiment sa façon de penser. D'accord. Dis donc, Onyx, bravo. Alors, je ne sais pas où il est, mais enfin, il est partout. Donc, il est là, ça, c'est sûr. Il est là. Oui, ça, c'est sûr. Bon, bravo. Et puis, bravo à vous deux d'avoir surmonté cette épreuve. Ouais, grâce à lui. Et de vous êtes ouvert à la spiritualité. Complètement. Même spiritualité médiumnique. Et de ne pas vous être enfermé en disant oh là là, Dieu est un monstre, pourquoi il m'a fait ça, etc. Au début, quand même, on était en colère, quand même. On s'est dit pourquoi lui, pourquoi cet âge-là, pourquoi nous. On s'est dit il n'y a rien qui. Enfin, voilà, on était vraiment en colère contre tout. Contre tout le monde. Ça n'a pas duré très longtemps. Grâce à ces chansons, on a pris très vite le dessus. Tu avais le courage, toi, en tant que papa. Papa, c'est là. Tu avais le courage d'entendre la voix de votre fils, là. Écouter Pierre chanter, ça allait, mais de le voir en vidéo, ça a été dur. Ça fait mal, il y a encore quelques chansons, d'ailleurs, qui sont dures à écouter. Maman. J'ai du mal. Bon, et cette association, donc, vous l'avez montée, pourquoi? Alors, pour continuer ce qu'on avait commencé ensemble, parce qu'on avait vraiment commencé ensemble. Pour les animaux. Pour les animaux. Pour les SDF. Pour les SDF. Mais pas les médiums à l'époque. C'est venu après. À partir du moment où, grâce aux médiums, vous êtes ouvert vers... Voilà, on avait envie vraiment de... c'était pas forcément que pour nous, c'était pour aider, en fait. Continuer pour ceux qui ont un deuil monstrueux. Un deuil insurmontable ou plus difficile que d'autres, parce qu'on dit, perdre un enfant, il n'y a pas de mots, en fait. Mais c'était vraiment, on voulait vraiment aider comme vous avez été aidé. Comme on a été aidé par Pierre. Parce qu'on ne nous a pas forcément aidé, nous. On s'est débrouillé tout seul, en fait. Et c'est Pierre de là-haut qui... Il a tout géré. Alors, c'est amusant de s'appeler Onyx comme pseudo si on s'appelle Pierre, parce que l'Onyx, c'est une pierre. Voilà. Qu'est-ce que c'est rigolo. Mais enfin, faut qu'on s'y retrouve quand même. Donc, Onyx, c'est Pierre. Voilà, j'ai cassé la table. Alors, c'est pas grave.
Bon, ben voilà, j'ai compris la genèse de cette association Humanim Onyx du côté des Sables d'Olonne. Mais bon, c'est bien joli d'aider les animaux, les SDF, et de ramener des médiums qui spontanément proposent gratuitement leur aide. Et pour la plupart, oui, oui. On rembourse les frais à l'hôtel, un restaurant, parce que c'est quand même normal. Ah, vous les nourrissez quand et même. Les frais de route. Et les frais de route. Ouais. Ben, c'est bien joli, tout ça, mais il faut quand même des pépettes pour stériliser les animaux. Comment vous faites Voilà. Donc bah déjà, il y a la vente du CD qui nous a permis aussi d'avoir pas mal d'argent de côté et d'avance. Et puis les conférences, quand on a entre 50 et 150 personnes, il nous en reste quand même pour aider les animaux. Il y a un droit d'entrée. Ah oui, on fait payer l'entrée 10 euros en général, 10, 12 euros. Donc, et c'est dans toujours la même salle où ça maintenant, tourne oui. On reste une salle qui n'est pas très loin des Sables d'Olonne, parce que nous, on habite un petit peu à l'extérieur. Parce que, beaucoup, beaucoup de monde au sable. Plus ça va, plus il y a du monde. Donc, on est un petit peu en campagne. Donc, c'est la Motte à Charles, c'est juste à côté. La Motte à Charles. Voilà. Donc, la Motte à Charles. Et à la Motte à Charles, chez vous, il y a une salle pour mettre 60 personnes. C'est jusqu'à 140. 140 personnes à la Motte à Charles. Lieu de rendez-vous fabuleux. Très belle salle. Bravo. Très, très belle salle. Très bien. Alors, bon, pour plus d'informations, il y a le site internet de l'association. Internet, voilà. Et pour acquérir le CD, merci du cadeau. Merci. Hop, là, c'est bon. Pour écouter les belles chansons d'Onyx, bravo, voilà aussi. Et puis, pour aider les animaux aussi, puisque vous êtes sur place, du côté des Sables d'Olonne, bon, on en profite pour contacter Delphine et Pascal. Mais il n'y a pas que ça. Car je sais bien que quand on a perdu un être cher, on veut avoir quelques contacts, même si on est persuadé que tout va bien dans l'au-delà, on est toujours content d'avoir quelques grâces. Les grâces peuvent arriver, je fais la grimace, ça peut normalement arriver pendant des conférences médiumniques avec les médiums qui se proposent plus ou moins gratuitement. Moi, personnellement, dernièrement, j'ai plus de déconvenues avec ce genre d'opération qu'autre chose, mais je sais que ça peut arriver pour certaines personnes, ou en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Mais vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous faites de la TCI. Qu'est-ce qui est de la TCI? Mais ce n'est pas de la TCI auditive. Ce n'est pas de la TCI vidéo. C'est de la TCI dans l'eau. Photo. Dans l'eau. Water. Water TCI. Plus son truc. C'est-à-dire que vous allez au water closet, vous tirez la chasse et hop, ça remue. Et ça pourrait marcher. Ça peut marcher n'importe où. Ah, alors Pascal, c'est toi le spécialiste du water TCI. Donc, ça a commencé bizarrement parce que au mois d'août l'an dernier, on a rencontré Jean-Marc Bernad, un TCIste. On a mangé avec lui et moi en partant, il m'a dit Pascal, je te verrais bien faire prendre un bol et puis faire comme moi de la TCI. Donc je me suis dit, peut-être. Ouais. Et puis quelques jours après, j'ai acheté mon premier bol. Encore quelques jours après. Il y a un bol à acheter pour mettre de l'eau dedans. Moi, récipient. Mais bol en inox, pour les chiens, en fait. Voilà, un petit bol écuelle, en inox. Une écuelle pour le toutou. Voilà. Et tu t'es mis à laper un quatre pattes, ce qui a bien plu à ta femme. Ça. Et je l'ai filmé. Et on le retrouve sur le site de la. Non, il ne faut pas me mettre sur ce terrain glissant. Bon, d'accord. Et TCI, c'est un mot, naturellement, c'est transcommunication instrumentale. C'est avec des instruments électroniques ou autres, on arrive à entendre des messages de l'au-delà, soit audio ou vidéo. Ouais. Et donc, tu as acheté ton écuelle, tu as mis de l'eau dedans. J'ai mis de l'eau dedans quelques jours encore après. Ce camarade t'a dit comment faire. Oui. Et tu vas nous dire comment faire. Ah oui, oui. Ouais. La première TCI que j'ai fait, il y a Pierre qui est apparu. Tout de suite. Ton fils. Cadeau. Mais qui est apparu comment? Ah, ben, expliquez, il porte. Oui, attends. Ah, il s'en va. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Si, il va chercher le matos. J'ai gaffé. T'as tout sur le portable. Tout sur le portable. Alors, naturellement, vous allez les voir en même temps que moi. Parce que... En live. Mais oui, nous sommes électroniquement très bien installés. Ce que je vois, c'est d'en haut, t'as photographié le bol avec de l'eau. Oui, mais non, c'est une vidéo en fait. Ah, c'est une vidéo. Donc, il faut se mettre bien au-dessus du bol avec de l'eau. Donc, Pascal fait du Reiki, donc il le magnétise. Ah, en plus, il fait du Reiki. Voilà, Pascal, un homme complet. Ah, bah. Donc, il faut magnétiser l'eau. Demander protection aussi.
Non. Hein, toujours avant, parce qu'on ne sait jamais, on peut récupérer un peu de tout et n'importe quoi. Bon, dans un bol d'eau, c'est pas grave ici non plus. Oui, mais on va voir des trucs. D'accord. Voilà. Donc il faut faire une ouverture, une incantation, enfin, bref, un petit peu des choses étranges. Chacun son petit rituel. Et ça, c'est encore une fois c'est ce que tu es en train de me dire. On va essayer de le faire d'une façon pratique dans la deuxième partie. Oui. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est par transmission avec le copain qui t'a expliqué comment faire. Hein, c'est voilà, ça. Hein, c'est ça. Bon. Alors, donc, on ouvre ses chakras, si je puis dire. On magnétise l'eau pour lui donner un peu plus de dimension. Oui. On se fait quelques prières de protection. Oui. Et ensuite, on tournicote le... Donc, je remplis mon bol au trois quarts. Et après, avec la vidéo... Avec le flash. Flash surtout. Comme ça donne un petit peu de reflet. Et après, il y a juste à remuer le bol. Et je prends la vidéo pendant une minute. Oui. Moi, ça suffit. Et après, je décortique image par image. Et là, il y a du boulot. C'est ça plus long. Mais pendant la minute où tu filmes, tu fais une prière, dis Pierre, rien. Non. Tu fais le couton. On peut demander telle ou telle personne, mais Pascal, il a tendance à laisser en fait venir ceux qui veulent venir. Après, image par image, tu vois donc des reflets avec les flashs ou autres sur la surface de l'eau, de l'écuelle, et tu distingues ce qu'on voit là. C'est celle de Pierre ? Ah oui. Il n'y a pas que... Parce qu'il va partout. Il a été au Canada aussi en faire une. Hein. On l'a chopé un peu partout. Non, mais il est très malin, en fait. Hein. Comment ça ? Pierre est parti se manifester... Au Canada et au Brésil. Mais avec d'autres médiums ? Avec d'autres TCistes. Ah oui, sacré non, mais c'est... Pierre. Ah, oui. Donc, avec sa petite barbichette dis donc, on le reconnaît. Là, c'est la première que j'ai pris. La première TCI Water, celle où tout de suite Pierre est apparu, c'est sur une vidéo d'une minute. Alors fais voir, agrandis le brasard. Et là, on voit le visage de Pierre. Il y en a plus net. Percutante. Là, déjà, on voit, enfin, je peux au minimum dire qu'on voit un visage. Voilà. Bon. Après, celle de Pierre, vu le CV que j'ai, ça ressemble à Onyx. Et puis, on le ressent tout de suite, c'est intérieur. C'est quand même toi qui choisis cette image particulière parce que ça correspond à la représentation d'un visage que toi tu as. C'est-à-dire, est-ce que tu ne fais pas de la pareidolie ? C'est-à-dire qu'avec ton inconscient, tu choisis l'image qui, après, en regardant bien, peut donner l'impression que c'est un visage. C'est un peu du hasard. Et tout de suite, on voit déjà où. Pas forcément quelqu'un qu'on connaît, hein, des visages parfaits. Et puis on s'est dit, Pascal les publie en espérant que quelqu'un aussi reconnaisse la personne. Eh oui. Donc c'est vraiment dans ce but-là aussi, il y a eu quelques reconnaissances. Ça c'est fabuleux. C'est que des visages alors qui apparaissent ? Pas spécialement, du moins. Là c'est Pierre de dos, quand il était petit. L'œil averti, pour certaines. De dos, sa petite tête, ses deux oreilles. Et le plus flagrant, c'est le 8 juillet 1997 et sa date de naissance. Mm-hmm. Et à part des visages, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Des animaux ? On voit des animaux ? Oui, il y a un chien, d'ailleurs, qui est parfait. Ça, c'est Pierre Pierre de profil, avec sa casquette en arrière, avec son petit bouc. Et ça, c'est ma sœur qui est partie au mois de septembre, un an après Pierre. Oui. C'est surtout flou. excuse-moi. Oui. Là, c'est le petit chien. Le petit chien. Alors, il y a la photo et on... Ah oui, dis-donc. Ouais. Et pourquoi il y a la photo à côté ? C'est sa maîtresse qui m'a contacté pour... Ah oui, tu avais mis la photo à côté en disant « manifeste-toi voilà. ». Non. C'est en publiant cette photo-là sur son Facebook, la personne a reconnu son chien. Donc, elle nous a donné après... Ah d'accord, oui, c'est deux photos côte après, à côte. C'est un montage. C'est un montage, je ne comprends pas ce genre de technologie hautement poussée. Oh là là. Bon, très bien. Une dame que je ne connaissais pas. Un matin, je reçois un coup de téléphone. Et puis, elle me dit, excusez-moi, j'ai été voir dans vos TCI et j'ai reconnu mon père dans une de vos TCI. Ah oui, parce que c'est la photo du papa. Qu'elle m'a envoyée après. Elle a reconnu parce que moi, je n'ai pas la prétention de dire, je ne peux pas reconnaître quelqu'un que je ne connais pas. Sur ce cas-là, le Yann Eric peut dire qu'il voit une souche d'arbre. Mais je ne vois rien d'autre. Il y a aussi de l'imagination. Là, c'est la même personne. Oui. L'après-midi, elle m'a dit, j'ai regardé toutes vos TCI et j'ai reconnu son grand-père et son père face à face. Et son père est là. Oui.
avec les cheveux, tout. Et le grand-père, là, avec le col blanc ici. Oui. Il faut avoir l'œil exercé parce que. Pour certaines, oui. Il y en a d'autres, c'est flagrant. Mais est-ce qu'il faut avoir l'œil. Oui, montre-moi les flagrantes. Oui. Parce que faut-il. Enfin, le chien, c'est flagrant. Le chien, oui. Mais il y a des moments, est-ce que ce n'est pas de l'imagination, les copains non, parce que. Vous voyez bien, les personnes qui nous écoutent, bon, sont penchées spiritualité, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, on se promène partout sur Internet. Il y en a deux, trois qui doivent nous regarder comme des huluberlus, là. Ah, bah, sûrement, oui. Ils doivent dire, ils voient sur de l'eau des bouts d'image qui ne correspondent à rien. Oui, on peut voir des visages partout. Oui, voilà, c'est de la pareidolie, c'est oui, mais tout ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Non, je dis aussi, hein, je ne dis pas non, que c'est ça, vrai mais on trie beaucoup et de temps en temps il me dit tiens regarde tu vois pas on voit très bien moi je dis bon, je vois rien du tout, ouais. Alors, rien du tout. Bon. Donc, alors on y va dans le concret, dans le, voilà. Le bien ça, visible. C'est le père Delphine. Le père de Delphine. Qui est parti il n'y a pas tellement longtemps. Non. Mais tout le monde meurt autour de vous, c'est incroyable. Oh, là, oui, je vais m'inquiéter, voit, je retrouve vous deux. Et là, on voit. Là. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que... Non, faut pas trop. Alors là, je. Ah oui, et c'est le papa de Delphine, ça. Voilà, comme, ouais. Ça, voilà, comme ça. Mais je ne vois pas le papa de Delphine. Ici, là. Donc, oui. On voit les moustaches. D'accord. Mais c'est parce qu'on le connaît. Oui, ça, oui, voilà. Là. Bon, oui, d'accord. Ah, montre plus flagrante, là. Va au fait. Va au fait, Pascal, dépêche-toi, c'est la fin de la première partie. Alors, déjà. Voilà. Ah, allons, bon Vlatipak, le Padre Pio s'est manifesté dans l'écuelle. Oh ça. Non. Ah bah super, oui, enfin, ça peut être le Padre Pio comme n'importe quel moine orthodoxe avec oui, une longue barbe. Oui, hein, c'est oui, bon. Bien bon. Sûr. Là, mais enfin, il y a quelque chose qui oui, se manifeste. Quelque chose, oui. Alors, bon, d'accord, très bien. Mais néanmoins, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre fils qui se manifeste, petit A, et qu'est-ce qui prouve que votre fils est dans un meilleur, dans un au-delà, parce qu'on le retrouve dans de l'eau sur une écuelle? Alors, meilleur monde n'est pas de mal, parce qu'on dit que l'enfer est sur Terre. Mmh. Voilà. On n'est pas loin, oui. Donc, mais c'est un ressenti, c'est vraiment un ressenti. Quand mais ça, on fait sait que c'est ça fait plaisir de voir une photo, mais moi, ça me fait plaisir de le voir sur le CD. Mais oui. Bon, bah, pour l'instant, il est en photo, mais il ne bouge pas sur l'écuelle, il ne bouge pas non plus, il est en photo. C'est une représentation, ça peut être juste une image, un résidu d'une oui, vie. On ne peut pas le prouver non plus. Il n'y a pas de dialogue avec votre fils. Non, à part via les médiums. Voilà, donc ils nous transmettent les messages. Et encore les médiums, plus ça va, plus je me méfie. Moi. Bon. Oui, ils nous emmènent au bon en général. Hein, et ils nous emmènent oui. Au... Voilà. Ah, bah, Pierre, emmène-moi au bon là, aussi. Il faut lui demander, oui, il oui. Donne toujours. Bon. Mais après, voilà, celle-là, elle est quand même pas mal. Encore une autre photo. Ouais, oh, bah, y en a, voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la crème Nutella, qu'est-ce que c'est? Non. Donc ça, c'est celle de Jean-Marc Bernade, justement. Donc ça, lui, il a capté ça. Alors, Jean-Marc, je ne le connais pas, mais bravo déjà de transmettre l'information à oui, plein oui. De gens. Et Jean-Marc Bernade... Personne n'a rencontré. Hein. Et bien oui, et qui se situe où? Vers Paris, je crois. Vers Paris. Oui, Paris, en plus, et qui fait de la TCI à fond, quoi. Voilà. Bon. Je suis tombée dessus par hasard à 1h30 du matin, il poste cette photo, puis alors tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que Pierre fout là? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec sa photo? C'est-à-dire que là, voilà. Cette photo, c'est sur le site de Jean-Marc Bernade, voilà, qui a reçu, et qui l'a mis, et toi, tu vois ton je fils. Je tombe dessus. Et tu vois ton fils. Voilà. Et donc, je dis, bon, c'est pas grave, il est 1h30 du matin, mais je vais quand même le contacter. Donc, je le contacte, et je dis, bah, je pense avoir reconnu mon fils, et après, ça. C'est confirmé sur le fait qu'il travaille à la SACEM. Donc, c'est quoi? Musique. Mmh. Sa femme s'appelle Delphine comme moi et il vient en vacances au Sable d'Olonne en août. Bon, je dis bon, ok, ouais, d'accord. D'où la rencontre en août et d'où le fait qu'il... Voilà. Ça a permis à Pascal de continuer. C'est fou ce lien, c'est incroyable. Voilà. Ah oui, on voit bien les deux yeux. Enfin, encore une fois, c'est... Tu reconnais les yeux de ton fils, tant nous, mieux. Nous, voilà, on le reconnaît. Il y en a une autre avec Jean-Marc aussi. D'accord, mais c'est bien joli de me montrer ces photos, mais c'est des photos où ça ne bouge pas, où il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qui te fait croire que, excuse-moi d'être vraiment à chercher la petite bête négative dans l'histoire, mais qu'est-ce qui te fait croire vraiment que quand on est mort, on continue de vivre et que ton fils est toujours en action ailleurs. Oula, il y a tellement de choses à raconter là-dessus, sur ces preuves et ces synchronicités qui sont parfaites. Donc, une des dernières, dire synchronicité, où tout est dans le cœur aussi. C'est vraiment un ressenti. Moi, des fois, il me dit des trucs, je dis non, j'y crois pas. Parce qu'on est quand même très terre-à-terre, cartésien quand même. On garde bien les pieds sur terre, on n'est pas tout le temps perché. Et donc, il y a au mois de mars, avril, je ne sais plus. Moi, je voulais aller au concert d'Era à Nantes. Je regarde, il restait des places dans le fond. Je lui dis, bon, tant pis, dans le fond, j'y vais pas. Alors, la suite après... Donc, au mois de septembre, donc quelques mois après, il me dit « tu te prendras un cadeau pour ton anniversaire ». Très bien, c'est pratique. Hein. Donc, je dis « bon, je laisse tomber ».
sur Facebook, sans arrêt, je retombe sur la publicité, era. J'ai dû avoir un message quand même là-dessus. Je retourne voir, je simule deux places, en fait, pour mettre dans le panier. Je prends les deux places. Le placement, c'était au 6e rang, rangée du milieu. Tranquille. Ouais, j'ai bon, ok. Je les prends, je les achète. Donc, on y va au mois de novembre. Donc, la placeuse donc, vient nous placer et elle s'arrête devant, premier rang. Elle dit, c'est là. Bah, elle a dû se planter, tais-toi. Je ne dis rien, pas, j'en dis rien. Non, voilà. Je vérifie quand même les billets et on était devant, au premier rang. Quand même beau cadeau. Hein. On ressent en fait vraiment qu'on s'est dit, c'est pas possible, il est venu cette nuit à changer les places, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi c'est Pierre qui l'aurait fait? Ah ben on le ressent, c'est vraiment. C'est dans le cœur du moins. Ouais. Bon, ben, c'est pas. Voilà, j'essaye de faire les deux côtés hein, de la conversation, mais c'est vrai que dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a du cœur, ça va au-delà de l'explication. Et c'est pas facile à expliquer, hein. Même les médiums. On le ressent, et vous ressentez l'amour de votre fils, la présence de votre fils, et c'est l'essentiel. Après, ceux qui veulent chercher la petite bête, déjà, frontalement, ne pas y croire. Ouais. Alors déjà, si tu n'y crois pas, tu n'es pas très ouvert. Hein, bon. Mais si ensuite, tu veux toujours trouver la petite bête, tu la trouves. Oui, le problème, c'est que dans la petite bête, c'est un détail, et dans le détail, le diable s'y cache souvent. Eh oui. Alors, bon, vous êtes catholique, rassurez-moi. Oui, pas pratiquante. Hein. On a nos croyances, on va dire. Oui. Voilà. Vos croyances, tous les deux, c'est réincarnation, youpi, on y va à fond ou pas du tout? Si, on y croit. Oui, réincarnation. On y croit. À la réincarnation. Grâce à Christ, c'est pas grâce au curé que vous y croyez. Ah c'est grâce au médium? C'est grâce à Pierre. Pierre a donné un message à travers les médiums, vous avez vu. Oui, alors, encore une fois, je méfie de plus en plus des médiums qui vont vous donner une information de la part de quelqu'un d'autre, enfin, ont une impression d'avoir une information de cette personne, alors qu'ils ne comprennent pas qu'ils se trompent et qu'on est en train de nous donner de fausses informations pour nous perdre. Je me méfie de ça de plus en plus. Oui, je vois ça. C'est-à-dire, usurpation d'identité post-mortem. De dire, ah oui, c'est lui, je l'ai avec moi, et il me dit, ah, très bien, votre grand-mère, elle est très heureuse là où elle est, alors que c'est n'importe quoi. Ou pire, ah, la réincarnation, c'est fabuleux, et d'ailleurs, on va tous se retrouver. Bon. Il faut que les messages soient très précis aussi. Voilà, précis, même qui correspondent à ce que vous voulez entendre, il faut se méfier, encore une fois, parce qu'il y a un être humain entre l'au-delà, enfin en tout cas l'invisible, et quand je montre en haut, il faut espérer que ce soit en haut et pas en bas, le canal, quoi. Et la personne qui veut entendre, et qui est demandeur de toute façon, parce que dans le désarroi. Donc je me méfie de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité post-mortem. Et qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Alors, il a dit, déjà, des médiums qu'il connaissait ni d'Ève ni d'Adam, on peut le dire, des messages très précis. On va dire, le plus précis, c'était encore Alain Joseph, même si on en a eu quand même d'autres personnes. Il ne passe pas avec tout le monde, parce qu'il a ses têtes quand même aussi, il a ses têtes. Et des messages très précis, il nous a donné le numéro, enfin un 42, vous verrez plus tard, 42, on habite au 42, on a déménagé 2 ans plus tard, on habite au 42, il nous a D'accord. Et pour la réincarnation, pour savoir ce qu'on devient, etc., il a donné des informations? Pierre, non, pas dessus. Nous, c'est vraiment nous, on y croit. Vous y croyez? C'est une croyance alors. C'est pas Pierre qui vous a expliqué ça. Et vous avez demandé à Pierre si justement... Non, parce qu'on ne voudrait pas se réincarner sur Terre, nous, donc on évite. Non, mais il ne faut pas lui demander de se réincarner, mais lui demander s'il y a la réincarnation qui existe. Non, on n'a pas posé encore la question directement à Pierre. Non. Et il est là, Pierre. Alors, si en plus, il peut nous guider et nous dire ce qui est... Prochaine fois. S'il est là avec vous à travers les médiums, qui vous donne des infos... Sur la réincarnation. Sur la spiritualité et sur ce qu'on fait dans l'au-delà. Parce que les petits chiffres, les machins, les coïncidences... Il nous a dit ce qu'il faisait dans l'au-delà. Alors, ils continuent, en fait, ils ont le même caractère après qu'on l'a connu. Hein. De toute façon, il était sensible, aidé. Donc, il continue pareil. Il va chercher aussi, admettons, les accidentés. Voilà, les jeunes accidentés. Il va les chercher pour les accompagner, en fait, dans l'au-delà. C'est surtout un de ses... Après, il fait forcément autre chose. On ne sait pas tout ce qu'il fait. Il continue à la musique différemment. Évidemment, c'est beaucoup plus pur, beau, parce qu'il était quand même
Un rappeur engagé. Oui. Hein, donc, il y a des chansons calmes, douces, mais il y a des chansons où il peut y avoir des gros mots. Hein, mais moi, il avait 19 ans, puis il y allait, il ne gênait pas. Et là, mais maintenant, là, c'est dans l'au-delà, plus... il fait du bac. Eh bien, il adorait aussi le bac. Hein. Bon. Oui, ça, il n'y a pas... Il fait du Pachelbel, il fait... Voilà. Un peu de tout. Non, mais... Oui, très bien. Mm. Et alors, ça veut dire que, de l'autre côté, il a gardé tout son acquis intellectuel, toute sa culture. Complètement. Il ne la perd pas. Encore plus. Encore plus. Il est libre, en fait, maintenant. Il n'y a plus le corps qui l'empêchait. Il était quand même très... Il a tout fait en 19 ans. Hein. C'était vraiment du concentré. Et on comprend, après... Pourquoi il a fait ça, autant de choses en 19 ans? Ah bah oui, c'est... Voilà, c'est... Il est à 200, même 300 à l'heure. Bah oui, la preuve, il a eu un accident, donc ouais, il a été un peu trop vite. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Non, mais alors, pourquoi il est mort à 19 ans? Il vous l'a dit? C'était prévu? Oui, il nous l'a dit. Un mois avant, en fait, il nous a dit, il arrive comme ça, dans le salon, toi tu étais là aussi, puis il arrive, mais comme s'il disait, je vais boire un café. De son vivant. De son vivant. Un mois avant, il nous dit, je sais que je vais avoir un accident de voiture et je sais que je m'en sortirai pas. Alors forcément, pour des parents, ça... Bonne ambiance. Coupe, bonne ambiance. Mais il nous a dit ça d'un calme olympien. Et comment ça, il a su comment... Son âme savait, c'est obligé. Ah, oui. Il savait, parce que... Et puis, il dit, si, je sais que je vais avoir un accident de voiture, je sais que je ne m'en sortirai pas. Alors après, bon, on discute avec lui, je dis, tu sais, tu peux avoir un accrochage, tu peux avoir un petit pet, tu peux avoir la jambe cachée, enfin, cassée ou le bras cassé, ça peut être... Non, pour lui, il savait qu'il allait partir. Mmh. Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a dit? On n'est pas sûr. Il était dans un état second, pour vous le dire? Du tout. Non, il se réveillait. Donc, il se rendait compte de ce qu'il disait. Quoi. Ah oui, complètement. Oui, ouais. Mais de l'au-delà, maintenant, il vous explique pourquoi il fallait qu'il y passe? Oui, parce que bon, c'était très dur sur Terre pour lui. Tout ce qui est un... Il supportait pas, en fait, la vie sur Terre. Pour lui, c'était vraiment très compliqué, les injustices. Il était contre l'injustice. Ça lui faisait trop mal, il était trop sensible. Oui, très, très, hyper sensible. L'injustice envers les animaux, les SDF, c'était trop dur. D'un monde parfait, il vient sur Terre avec tout le malheur qu'il y a, toutes les catastrophes. C'était trop dur pour lui. Voilà. Ouais. Oui, alors je veux pas faire de... Justement, c'était vraiment très long déjà pour lui. Hein. Mais c'est délicat pour tous les ados hein, de se découvrir ce qu'est ce monde. Exactement. Bon. Ça laisse sous-entendre, je ne veux pas faire une conclusion hâtive, mais il faut quand même qu'on termine la première partie. Ça laisse sous-entendre qu'il aurait pu exagérer dans sa voiture et avoir une tendance suicidaire. Non, il était vraiment... Il allait très bien en plus en dernier. Content. Très, très bien. Bon, il était content de vivre. Il avait des projets. Ah oui, oulala, C'est pas lui qui a foncé dans un platane. Ah non, du tout. Non. Très bien. Non. Et il vous parle de ceux qui sont suicidés aussi. Enfin, vous voyez, toutes ces informations, maintenant qu'il est là-haut, il faudrait qu'il nous les donne. Pour nous dire s'il suicide, s'il ne faut pas le faire, ou si c'est des cas particuliers. Enfin, je connais déjà un peu les réponses. Alors lui, c'est pas forcément lui qui va nous parler des suicidés. Après, d'autres médiums, oui, forcément, ils ne vont pas dire qu'il faut se suicider, on revient. Enfin, non, on ne va pas le dire. Mais, je crois pas. Non, mais il pourrait nous donner plus d'infos, ou alors il est juste monotache. Et, enfin, s'il est maintenant... Il doit avoir la conscience universelle. Je pense, oui. Après, oui, donc les pourrait... infos sur le suicide, non. Non, mais pas que le suicide, mais les chiffres du loto, par exemple. J'aimerais bien, mais non. Je pense qu'ils disent que ce qu'on est capable d'entendre. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, on est capable d'entendre beaucoup de choses. Et encore une fois, quand on passe à travers les médiums, c'est assez basique, les messages qu'on peut entendre de l'au-delà. Il y a certains. Mais justement, on essaie de ne pas faire venir où il va bien, il est content, il est heureux. Parce qu'on le sait. On le sait, puis les gens le savent. Et puis maintenant, au bout de 3 ans, ce n'est pas ce qu'on va entendre. Et la plupart des médiums qui sont venus, c'est vraiment des... Très précis. C'est des choses que même nous, on ne savait pas qu'on a découvert après. Donc, il y a Joseph, par exemple. Des choses qu'on a su, tout ce qu'il nous a dit, 95%, 99% de ce qu'il nous a dit, on l'a découvert sur un an. Comment Joseph Belay s'est trompé sur 1%? Le prénom des copains de son père. Donc, mon père est décédé depuis 10 ans. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une machine ni un dieu. Il peut se tromper de temps en temps. Je suis sûr qu'il ne s'est même pas trompé, en plus. C'est toi qui ne te souviens pas bien des prénoms. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ben c'est la fin de la première partie. Nous allons nous lancer maintenant dans une pratique sur cette table. On va essayer de trouver une écuelle de chien. J'en ai. À tout de suite dans la deuxième partie. Au revoir. À bientôt. C'est pas grave. À tout de suite.